Que ma prière parvienne jusqu'à toi. Ouvre ton oreille à mes supplications, Seigneur. Que ma prière parvienne jusqu'à toi. Ouvre ton oreille à mes plaintes. Que ma prière parvienne jusqu'à toi. Ouvre ton oreille aux cris de mon âme. Que ma prière parvienne jusqu'à toi. Ouvre ton oreille aux soupirs de mon âme. Shalom, shalom à toi, bien-aimé de Dieu, en ce matin. Shalom à toi, porteur de grâce. En ce matin, je te salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, qui permet encore que nous soyons en communion d'esprit et d'âme, assistés de tous nos anges gardiens et de tous les saints du ciel, dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce d'une nouvelle journée nous est encore donnée en ce jour. La grâce du don gratuit de la vie renouvelée en chacune de nos âmes en ce matin. Dieu de grâce, merci de nous offrir cette nouvelle journée. Aide-nous à percevoir les gens que nous allons rencontrer et les événements qui vont se succéder avec les yeux de la foi. Fais que nous vivons cette journée avec compassion, courage et espérance, parce que nous plaçons notre confiance et notre foi en toi en ce matin. Alors, bien-aimé de Dieu, en ce matin, une action de grâce, tout simplement. Une action de grâce. Une âme me dira, « Ah, écoute, je suis en train de pleurer parce que j'ai le cœur triste, parce que j'ai le cœur lourd. Je viens de me lever ce matin, j'ai mal partout. » Mais pourtant, l'action de grâce peut déclencher un certain miracle même dans ta vie. Cette action de grâce peut déclencher, peut bouleverser même ces mots terribles même de ta vie. Voilà pourquoi ce matin, je te dis tout simplement, dans ce doux réveil, laisse-toi tout simplement porter avec les anges autour de toi, avec le ministère des saints autour de toi et rends grâce tout simplement à ton Dieu. Laisse ton âme tout simplement lui rendre grâce. Laisse ton cœur tout simplement s'exprimer dans sa présence. Voilà pourquoi ce matin je te dis, élève ta voix et dis, Seigneur, tu es bon pour moi. Seigneur, tu es bon pour ma famille. Seigneur, tu es bon pour mon foyer. Seigneur, tu es bon pour ma nation. Seigneur, tu es bon pour mes enfants. Et mon âme s'écrie, éternel Dieu, tu es bon et tu es rempli de bonté pour ma vie. Il est bon pour ta famille, il est bon pour ton foyer, il est bon même dans les tourments de ta vie, il est très bon parce qu'il est fidèle, il ne change pas. Voilà pourquoi ce matin dans ce chant, c'est une déclaration, c'est une proclamation que tu fais devant le trône de Dieu en disant, Seigneur, je décrète que tu es bon dans ma vie. Même dans les autres troubles de ma vie, Seigneur, tu es bon. Même pour mes enfants, Seigneur, tu es bon. Les enfants que j'ai vus, que je n'ai pas encore vus, Seigneur, tu es bon parce que ta main est sur ma vie. C'est une déclaration bien-aimée de Dieu.
C'est une déclaration que tu fais à Dieu. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh mon Dieu. Tu es bon pour moi, tu es bon pour mon frère, tu es bon pour ma sœur, tu es bon pour mon foyer, tu es bon pour ma famille, tu es bon Seigneur pour mon ministère, tu es bon pour ma nation, tu es bon tout simplement pour ma communauté, tu es bon Seigneur pour mon église. Voilà pourquoi ce matin mon âme est dans la joie, mon âme est dans l'allégresse, mon âme est dans l'action de grâce Seigneur, avec mon frère, avec ma sœur, qui prendront le temps de t'écouter et de te rendre grâce en ce matin Seigneur. Te rendre grâce simplement, te rendre grâce simplement Seigneur. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te rendre grâce? Comment ne pas te glorifier? Comment ne pas te donner l'honneur qui t'est dû, Seigneur? Parce que toi seul en es digne. Toi seul en es digne. Toi seul en es digne. Bien-aimé de Dieu, c'est dans cette action de grâce que je te souhaite de passer une agréable journée dans la paix, dans l'amour, dans la joie de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons ainsi prié dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.